Eh bien, salut tout le monde, c'est Blood, on se retrouve pour Code 4, hein, la version qui a été refaite, la remaster donc. Alors je vous explique un peu, moi je suis super crevé là, il est 5h du matin, je viens de finir de record et de monter en codé mes épisodes de Infinite Warfare, enfin mes deux premiers, parce que j'ai pas pu en faire plus forcément. Donc voilà, donc on va partir donc sur mon Call of Duty préféré. D'abord, la bonne nouvelle. Le monde pète le feu. On a une guerre civile en Russie. Gouvernement contre ultranationalistes et 15 000 bombes nucléaires en jeu. Ouais, la routine, quoi. Khaled Al-Assad, actuellement le deuxième homme fort du Moyen-Orient. Le bruit court qu'il a les moyens de passer numéro un là-bas. Les services secrets l'ont à l'œil. Et la mauvaise nouvelle? On a un bleu qui arrive aujourd'hui. Tout droit sorti des sélections. Il s'appelle Soap. Content de te voir, mon gars. Prends un fusil sur la table. Où est-on? Ok, donc... Le fusil. Tu connais la chanson. Va au poste 1 et mets-toi en position de tir. Ok, ok. C'est parti. Alors, évidemment, on va pas trop s'emmerder. Merveilleux! Maintenant, tire sur les cibles en utilisant la visée normale. Maintenant, position de tir, Saul. Maintenant, tire sur toutes les cibles en utilisant la mire. Bon, je vais couvrir les cibles avec un morceau de contreplaqué. Les balles pénètrent les matériaux fins et peu résistants. Le bois, le plâtre et la... Je veux que tu touches les cibles à travers le bois. Ah oui. Bien. Maintenant, les cibles vont sortir l'une après l'autre. Touche-les toutes le plus vite possible. Voilà, ça c'est bien. Maintenant, prends une arme de poing à l'arsenal. Ok. Donc ouais, je disais, pour l'entraînement, on va pas s'emmerder parce que je m'en rappelle. Avant, j'avais fait un putain de score, mais là, on s'en fout. Bien, maintenant, prends le fusil. Le but, c'est d'avancer. Maintenant, sors ton arme de poing. N'oublie pas, il est plus rapide de sortir ton arme de poing que de recharger. Utiliser ton couteau est plus rapide que de dégainer ton pistolet. Plante la pastèque. Joli, t'es un vrai tueur de fruits. Le capitaine Price veut te voir. Ah oui. Ah mais je suis un tueur de fruits, moi. Donc le jeu est à fond, hein, comme d'habitude. C'est le nouveau, chef. Allez-y doucement avec lui, chef. C'est son premier jour ici. Ah, c'est vrai? C'est quoi ce foutu nom, Soap? Comment un branleur comme vous a pu passer les sélections? Soap, à toi de passer le test de combat rapproché. Les autres au poste d'observation. Pour ce test, tu dois traverser le cargo en moins de 60 secondes. Kaz détient le record du groupe avec 19 secondes. Bonne chance. Escalade l'échelle qui est là. Ouais, merci. Alors, l'échelle. Prends ce MP5 et 4 grenades flash. À mon signal, tu descends sur le pont et tu fonces à la position 1. Ensuite, tu prends l'escalier d'assaut et tu rejoins la position 2. Puis, tu vas aux positions 3 et 4 en suivant à chaque fois mes instructions. Attrape la corde quand tu es prêt. Je suis prêt. Go, go, go! Attaque les cibles! Position 2, allez! Go, go, go. Oh, c'est mal barré pour le soir. Attaque les cibles!
Grenade flash dans la porte! Position 4! Attaquez les cibles! Position 5, allez! Attaque les cibles! Demi-tour, t'as oublié une cible! Ah oui? 6, allez! Grenade flash dans la porte! Attaque les cibles! Dernière position, allez! Bon, on s'en fout, hein. Ouais, c'est là-bas, je sais même pas pourquoi foncez, je vais... Foncez, vous y êtes. Pas mal, Soap, mais j'ai vu mieux. Escalade cette échelle si tu veux réessayer. Sinon, dirige-toi vers les écrans de contrôle pour un débriefing. Bon, c'est bon, on va faire en recrue. On va pas s'emmerder. Messieurs, la mission cargo est lancée. Préparez vos affaires. On décolle à 2 heures. Rompez. Bravo, nos renseignements viennent de notre informateur en Russie. Le colis est à bord d'un cargo estonien, immatriculé 52775. Présence d'un équipage réduit et de sécurité à bord. Règle d'engagement. Équipage sans importance. Pivot, ici Marteau 2-4. On a la cible en visuel. Arrivée estimée dans 60 secondes. Entendu 2-4. Putain, à l'époque, je me disais, c'est trop beau et tout. 30 secondes, on éteint. Point radio, passé en fréquence sécurisée. Parlez et chargez. Feu vert, allez, allez! Feu à volonté. On dégage. Cessez le feu. Gaz, tu restes dans l'hélico le temps qu'on sécurise le pont. À vous. Bien sûr. Avec moi. Escalier, ok. Terminé. Couloir, ok. Dors bien. Quartier de l'équipage, ok. Avancez. Le pont avant est dégagé. Feu vert pour Alpha. Allez! Prêt. Déployez-vous. Intervalle de 3 mètres. Deux sur la plateforme. Je les vois. Feu à volonté. Bien reçu. Cible neutralisée. Ennemi à terre. On a de la visite. Marteau 2-4, on a des cibles au deuxième niveau. Entendu, on attaque. On décampe. Oiseau de nuit sera sur site dans 10 minutes pour évacuation. Bien reçu, Marteau. Wallcroft et Griffin, couvrez nos arrières. Les autres avec moi. Bien reçu. Je préfère garder ça pour le combat rapproché. C'est pas faux. À mon signal, en avant. Surveillez les coins. On y va. Surveillez les coins. À droite, RAS. À gauche, RAS. Couloir, ok. Avancez.
À droite, RAS. Escalier, ok. Mouvement à droite. Ennemi à terre. Couloir, ok. Avancez. Surveillez les coins. Attendez, à mon signal. En attente. J'emmerde le signal. Passerelle dégagée. Je vous couvre. Avancez. Avec moi. Avancez. On continue. Je m'en rappelle encore de celui-là. Gaz à droite. Je m'en charge. Regroupement. Prêt. Go. À gauche, RAS. On y va. Mouvement à droite. Avancez. Bah les gars, ça bouge un bateau, mais quand même. Regroupement. Attendez, à mon signal. Un prêt, deux prêts. À mon signal, en avant. Ouais, par contre, voilà, pas de repos. Ennemi à terre, au rapport, tout va bien? Bien reçu. J'ai un signal fort, capitaine. Vous voudrez peut-être voir ça? Bien sûr, puisque je sais ce qui va se passer. C'est en arabe. Vivo ici, Bravo 6. On l'a trouvé. Prêt à transporter le colis. Pas le temps, Bravo 6. Deux diables foncent vers vous. Prenez ce que vous pouvez et foutez le camp. Déplacement rapide. Sûrement des MiG. On devrait filer. Mac, le manifeste dans le conteneur. Vite. Bon, tout le monde sur le pont supérieur. Maniez-vous. Walcroft, Griffin, quelle est votre situation? Déjà dans l'hélicoptère, capitaine. Avion ennemi en approche. Bravo 6, répondez. Bravo 6, quelle est votre situation? Merde! Qu'est-ce qui s'est passé? Le navire coule! Il faut partir! Vite! Bravo 6, répondez! Répondez, merde! Oiseau de nuit ici, Bravo 6, on est en route! Debout, soldats! On dégage! Sur les passerelles! Allez, allez! Relevez-vous, en avant! Attention la tête! Allez, allez, avancez! Vite! Allez, allez! Attention les canons! Parlez-moi, Bravo 6, vous êtes où, bordel? Entendu, on y est presque! À droite, à droite! On n'a plus le temps! Allez, vite! Avancez! Il est ouvert!
Message. Pivot, ici Oiseau de Nuit. On a le colis. Retournons à la base. Terminé. Voiture en approche. Continue de chercher. استدر إلى اليسار، إلى اليسار. حان الوقت لإظهار قوتنا الحقيقية. إنهم يستعينون بعزيمتنا. دعونا نريهم أننا لا نهابهم. Oh!
هكذا ابتدأت. Non, ouais, il faut patienter un peu pendant les briefings. Enfin, justement parce qu'il charge en fait. Donc voilà. Capitaine Price, Al-Assad vient d'exécuter le président Al-Fulani en direct. Les Américains se chargent d'Al-Assad. Et on ne peut plus rien pour Al-Fulani. Mais dans moins de 3 heures, nom de code Nikolaï sera exécuté en Russie. Nikolaï. Nikolaï est notre informateur chez les ultranationalistes. Il a fourni les renseignements sur l'opération du cargo. Nikolaï est grillé à présent. On doit le sortir de là. On s'occupe de nos amis. On y va. Les loyalistes nous attendent à 500 mètres au nord. En avant. Des loyalistes, hein? Et eux, c'est les bons Russes ou les mauvais? Eh bien, ils ne nous tireront pas dessus à vue si c'est ce qui vous intéresse. C'est déjà beaucoup, merci. Oula! Pourquoi les FPS sont si bas là? Feu à volonté! Cible neutralisée! Voilà. Bah, je verrai pour régler ça. Ça doit être une option qui est un peu trop haute. Je sais pas, ça peut être quoi. Ah bah non, là c'est bon. Donc ce serait que dans l'eau. Mais pourquoi? Milou, qu'est-ce que t'as? Bah là ça le fait plus. Bon, je sais pas. Bon boulot. Il doit rester quelques gardes là-haut. Kamarov et ses hommes nous attendent dans un champ au nord-ouest. Nord-ouest. Eh ben c'est facile. So, place tes clés morts devant la porte et attire-les. Ah oui? Ok. Voilà. Bonjour. Est-ce qu'il en reste un là-dedans? Ah non, c'est là. Moi j'ai mal placé, hein. Non, on s'en fout. Il les a tués quand même. C'est le principal.
Tu sens ça, Gaz ? Bienvenue dans la Nouvelle-Russie, Capitaine Price. Quelle est la cible, Kamarov ? On a un informateur à récupérer. Les ultranationalistes ont des BM-21 de l'autre côté de la colline. Leurs roquettes ont tué des centaines de civils dans la vallée. Pas si vite. Beyrouth, ça vous rappelle rien ? Vous venez avec nous. Je vous suis redevable, je suppose. Et pas qu'un peu ! Ваня, приближайся. Приготовься к атаке. Жди моего сигнала. Par ici. Votre sniper pourra bien couvrir mes hommes d'ici. Oula. M'en fous, je fais avec. Mes 15 FPS. Jorox. Ou pas. Ah, c'est ça, c'est parce qu'il y a trop de... Oh ah, mais clairement, hein, franchement, ils savent pas optimiser leur jeu, quoi, c'est fou. Groupe de snipers en position. Gaz, couvre le flanc gauche. Compris. Ah bah, ça va mieux, là. Ah, quand je regarde par là, pas trop. Par là, ça va. Bon, alors, faut faire quoi? Sortez votre fusil de précision. J'ai ça, moi. Eh ben, ça va être fun. Hein. Alors, oui. Faites-moi des explosions, je vous dis rien. Alors. Soap, élimine les mitrailleurs aux fenêtres pour que les hommes de Kamarov puissent entrer. Mais attends. Pas ici. Quoi ? Attaquez l'autre mitrailleur à travers le mur. Voilà. Merde ! Des hélicoptères ennemis ! Vous n'aviez pas dit qu'il y aurait des hélicos, Kamarov ? Je n'ai pas non plus dit qu'il n'y en aurait pas. On doit couvrir mes hommes de ces hélicoptères. Par ici. Maniez-vous, Kamarov. Je veux cet informateur. Inutile de vous inquiéter. On éliminera les BM-21 et on ouvrira le chemin jusqu'à votre informateur, Capitaine Price. Bon bah, va falloir que je baisse, hein. C'est chiant, hein, sérieux. Какой статус? Сколько времени я тебе нужна? Ладно, я буду проживать, останавливать их. On devrait les laisser tomber. Allez, Loulou. J'ai trouvé, c'était quoi? Soap, par ici. Mais attends. En fait, c'est le... c'est l'anti-chronologe du jeu. Il bouffe, mais alors carrément, mais c'est un truc de fou. Donc j'ai mis faible. Honnêtement, on voit pas la différence. Donc voilà. On a de la visite. Hélicoptère en approche rapide.
Capitaine Price, mes hommes rencontrent une forte résistance. Appuyez-les depuis les falaises. Et notre informateur, il a plus beaucoup de temps. Alors aidez-nous. Plus mes hommes avanceront dans ce village, plus on se rapproche de votre informateur. C'est bien, hein? Il y a un temps. Et il faut que je le désactive complètement pour avoir un jeu fluide ou quoi? Bien, on avance. Suivez-moi à la centrale. Regardez, l'assaut final a déjà commencé. Avec un meilleur soutien de votre sniper. Ça suffit! Où est l'informateur? Je te dis que je te soumets sa chair! Où est-il? La maison! La maison au nord-est du village! Ça s'est bien passé, non? Allez, va t'asseoir au coin. Sauf gaz! On doit rejoindre cette maison avant qu'il n'arrive quelque chose à l'informateur. Allez! Je crois que je suis allé un peu vite. Ennemi alerte! Il me faut un tir de couverture! Mais ils s'y foutent. C'est long, les gars. Gaz, vas-y. J'ai coupé le courant. On y va. Victor! Электричество погасло! Avec ces lunettes infrarouges, c'est trop facile. Sacha! T'es ici? Что вы хотите? Что?
кто вы? Спецвойска? C'est lui. Николай, est-ce que ça va? Vous pouvez marcher? Oui. Et je peux me battre. Merci d'être venu me sortir d'ici. Oiseau de nuit, ici Bravo 6, on a le colis. Rendez-vous sur la Z1, à vous. Bravo 6, ici Oiseau de nuit. On est en route, terminé. En avant, en avant! Les Américains ont lancé l'attaque contre Al-Assad ? Non, l'invasion débute dans quelques heures. Pourquoi ? Les Américains commettent une erreur. Ils ne prendront jamais Al-Assad vivant. Dans un bâtiment à l'ouest de la ville. On va sécuriser le périmètre et choper Al-Assad. Ok, Marine ? Oh putain, je m'en rappelle de ça. Le littoral est en vue. Entendu, Stryker 6-4. On sera à terre dans 10 secondes. Merci. On nous tire dessus. Compris, on a des lance-roquettes en bas. Pas passé loin. C'est la cible en visuel. On entre, on y va! Go, go, go! RAS! Jackson, en pointe! Ça non plus. Et dis donc. Jackson, envoie une grenade flash. Mais y a pas besoin. Je chie avec tes grenades flash là. Fais ça.
tu fais ça? Oh merde. Voilà. À toutes les unités, vérifiez les corps. Il nous faut une confirmation pour Al-Assad. Il n'est pas ici, chef. Aucun signe d'Al-Assad, chef. QG, ici Red Dog. Le bâtiment est sous contrôle, mais on n'a pas Al-Assad. À vous. Ennemi à découvert. Bien reçu, QG, terminé. Écoutez, j'apprends que Al-Assad était dans une station de télévision à 500 mètres à l'est de notre position. On va y aller à pied et ramasser notre colis. En route. Un milliard de gros, je tirez dans le tas. Si pas découvert. Non. Ah bah c'est pas mal là. Ah, l'optimisation elle est vraiment un chien. C'est un truc de fou quoi. Ouais. Ouais, je le vois. J'aimerais bien qu'il bouge. La merde, je passe. Vous êtes... Voilà. Au moins, ça rame plus ici. Donc voilà. Les loulous, nous, on va se laisser là. Donc je vous dis à plus tard pour la suite. Je vais sûrement baisser les options. Puisque le but, c'est de vous montrer le jeu à fond au départ. Et comme vous voyez, bah ça tourne mal. Donc voilà. Allez, bye bye.